Bienvenue dans une autre édition des tutos de Shadé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite housse pratique pour les lunettes de soleil. Je vais vous montrer tout de suite comment la faire pour vite pouvoir la mettre dans votre propre sac à vous. Pour réaliser cette petite housse à lunettes ou à crayon d'ailleurs, hein, vous avez besoin de mousse pailletée, hein, d'un petit coupon de tissu. Ensuite, pour coller tout simplement les bords fermés de la housse, de la super glue. Pour les finitions du bord ouvert, j'ai pris du vernis à ongles. Alors, pour réaliser cette housse, donc on a en fait un carré, hein, de mousse qui fait 15 cm x 15 cm. On a coupé le même carré dans le tissu. Et ensuite, on a superposé la mousse au tissu. Après avoir marqué donc sur la mousse les mesures, donc à l'envers, hein, puisque c'est assez net. Donc on superpose comme ça. Et ensuite, on a coupé notre carré donc au cutter. Ce carré-là, je l'ai plié en deux au milieu, tout simplement. Et ensuite, j'ai appliqué de la glue sur une bande latérale et une bande de largeur. Donc, on est d'accord qu'il reste un bout ouvert, que le bas et le côté sont collés. Pour terminer, tout simplement, deux petites bandes de tissu de 2,5 cm de large et de 15 cm de long pour le côté long. Pour le côté du bas, il vous faudra 2,5 cm de large et 7,5 cm de longueur. Vous encollez votre petite bande. Ensuite, sur le bord, tout simplement du vernis à ongles que vous laisserez sécher un certain temps parce que la mousse est quand même poreuse. Et le résultat est celui-ci. Et nous avons donc réalisé notre petite housse à lunettes. Personnellement, je l'utilise beaucoup puisque je suis myope. Donc, c'est pratique quand on a besoin de changer de lunettes, de pouvoir avoir une housse toujours prête pour accueillir celle qu'on va mettre dans le sac. Et sur ce, je vous souhaite l'arrivée du soleil et je vous dis à bientôt.